On est parti aujourd'hui sur Fortnite pour un nouveau défi top 1, boss Spider-Man aléatoire challenge. Alors en quoi consiste ce défi? J'ai mis en favori dans mon casier les 3 boss Spider-Man et je les ai mis en aléatoire. En fonction du skin que j'aurai dans la partie, je serai obligé de récupérer telle ou telle couleur d'armes pour pouvoir faire mon top 1. Si je tombe sur Miles Morales, ça sera que des armes grises. Si je tombe sur Spider-Gwen, ça sera que des armes bleues. Et si je tombe sur Spider-Man 2099, les gars, ça sera que des armes légendaires. Vous connaissez le concept, le but, faire top 1, c'est parti. Et on est parti pour cette première game les gars. Je me demande bien quel skin je vais avoir du coup et quelle couleur d'armes je vais devoir récupérer pour pouvoir faire mon top 1. Je croise les doigts au moins les gars pour me rapprocher un maximum du top 1. Mortadelien dans cette vidéo. 3, 2, 1, c'est parti, on saute du bus et j'ai le skin de Miles Morales. Ça veut dire que je suis obligé de récupérer que des armes grises pour pouvoir faire mon top 1. D'accord, ça me va. J'aurais préféré avoir autre chose, mais bon, on va faire avec. C'est parti. Alors le truc c'est que les armes grises, on peut pas les retrouver dans des coffres. Il faut d'office les trouver par terre. Et ça tombe bien les gars parce que regardez, on a directement juste ici notre première arme grise. Et il y a un mec juste ici. Et notre premier kill qui passe crème. Ça c'est magnifique. Par contre il faut faire attention parce que je sais qu'il y a une autre personne qui il me semble est juste en dessous de moi. On va essayer de faire attention un maximum les gars. J'espère que tout va bien se passer pour cette partie. Est-ce qu'on va réussir à faire le top 1 dès notre première game? Ça serait vraiment incroyable. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde à Envy Square. Donc on va vraiment rester sous nos gardes. Moi honnêtement il suffirait juste que j'arrive à trouver un petit fusil à pompe et on serait bien pour la suite de la partie. On va pas se mentir. Oh c'est en train de se faire de fou là. Oh le mec il est trop mal. Reviens ici toi. Ok nice, le kill qui passe crème juste ici. Le double kill même. Bon s'il vous plaît donnez-moi des munitions parce que là on va pas se mentir que niveau munitions je suis assez pauvre. Oh c'est une dinguerie les gars, on a directement 3 kills en ce début de partie. C'est vraiment trop cool. Mais je vais essayer de récupérer un maximum de munitions parce que là dans l'état actuel des choses je n'ai pas de quoi tuer un autre ennemi. Oh let's go les gars, regardez on a directement notre premier fusil à pompe. Ça ça fait plaisir. Mais écoutez je pense qu'on est bien équipé pour la suite de cette partie. J'ai un full stuff gris honnêtement. On va pas se mentir que c'est vrai que les stuff gris ça fait pas énormément de dégâts. Du coup il est absolument important de ne rater aucune balle les gars. Attention le premier pouvoir qu'est-ce qu'on va utiliser? Vas-y fusil à pompe recycleur, ça m'a l'air pas mal. Et pour avoir plus de chance de notre côté les gars, je vais même recruter l'ours polaire juste ici qui va m'aider à éliminer des ennemis. Oh les gars regardez ça, il y a carrément un coffre légendaire juste ici. Aïe aïe aïe, malheureusement c'est pas dans un coffre légendaire qu'on va trouver une arme grise. Mais au moins on a des soins, ça ça fait plaisir. Comme ça je vais pouvoir me mettre carrément à 200 HP directement. Et là ce que je vais pouvoir faire, on va directement rusher après notre prochaine victime. Et en parlant de victime les gars, j'ai l'impression d'en entendre une juste ici. Et voilà la petite victime, tu dégages. Le quatrième kill est donc validé les gars, ça ça fait plaisir. Mais ce n'est pas terminé, il reste encore du monde par ici. Oh les gars regardez, il est juste ici. Hop, bonjour toi. Touché. Oh coulé. Oh, 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 oh la dinguerie. Ça ça fait plaisir, donne-moi tes potions. On se remet bien les gars, let's go. Oh il y a une AR viseur juste ici, let's go. Je préfère cette AR là à l'autre. Oh. Oh il y a un mec juste ici. Oh bah il est mort. Mais what? Et en plus de ça les gars, bonne nouvelle, le mec il avait une couronne. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir faire un top 1 couronnien dans cette partie. Et ben dis donc, il y avait du monde à Unville Square et j'ai l'impression que je les ai tous tués. Oh les gars, regardez ça, bonne nouvelle, on a notre gars. Mais what? Ils meurent tous de dégâts, tu sais comment là, mais what? Le mec il avait carrément un sniper lourd en or. Et comme la personne précédente, le mec meurt de dégâts de chute. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette game? 7ème kill validé les gars, c'est incroyable. Si vous pensez que je vais réussir à faire le top 1, n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de pouces bleus. Objectif 12 likes en dessous de cette vidéo. Je sais pas si on va réussir cet objectif de malade. Mais en tout cas je compte sur vous les gars. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est une PC juste ici qui nous fait plaisir avec toutes ces munitions. Oh let's go, je mets mes full munitions. Là c'est sûr on peut pas être mieux que ce qu'on est déjà là. Enfin si je pourrais avoir un stuff full légendaire. Mais bon le but ici c'est que des armes grises. Il faut réussir ce challenge. Oh la dinguerie les gars, regardez il y a un petit lama juste ici. Mais c'est un truc de fou comment on a de la chance. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre le code créateur Jean-Fils dans la boutique Fortnite pour tomber sur un lama dans chacune de vos parties. Bah écoutez on est parti pour essayer d'éliminer le lama. J'espère juste que je vais pas me faire attaquer pendant que j'essaye de le tuer. Gros big up en tout cas à toutes les personnes qui mettent le code créateur Jean-Fils dans la boutique Fortnite. Ça m'aide et ça me soutient énormément. Donc gros merci à vous tous. Je vais cacher les constructions histoire que personne ne vienne les récupérer. Il y a un mec, il est dans un taxi carrément. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de le toucher comme ça? Ok, nice. Eh les gars, regardez, je suis dans sa voiture. Mais c'est un truc de vous. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Bon bah écoutez, je sais pas si le courant, je suis dans sa voiture. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Frérot, le bot, il est en galère totale dans l'état actuel des choses. Regardez, il essaye de me toucher, mais il arrive pas. Mais what?
Ah ouais, il faut sortir. Non. What? Ok, il est juste là. Ok, je lui ai mis une petite mitraillette. Ça, what? Comment j'ai pris trop cher? Non, non. Je veux pas mourir, les gars. Je veux pas mourir. J'ai un HP. Non. Non, je meurs de la tempête, top 5. Aïe, 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 les gars, je suis mort de la pire des façons possibles à cause de la tempête. On était proche de faire le top 1, mais ne vous inquiétez pas. Deuxième partie, je ne risque pas de vous décevoir. C'est parti, on saute du bus, 3, 2, 1, et nous avons le skin de Spider-Gwen. C'est-à-dire que je suis obligé de récupérer que des armes de couleur bleue pour pouvoir faire mon top 1. Bonne chance à moi. Le point positif, c'est que les armes bleues, ça fait énormément, voire beaucoup plus de dégâts qu'une arme grise. Donc, logiquement, on a plus de chances de gagner. Je dis ça, mais il faut au moins avoir la chance de tomber sur une arme bleue directement, histoire de se défendre un minimum. Aïe aïe aïe, non, arme verte. Heureusement, on a plusieurs chances dans cette maison. Il y a plusieurs coffres. Allez, s'il te plaît, arme bleue. Non, arme verte. Aïe aïe aïe. Oh, par contre, les gars, let's go. On a des gants de Spider-Man et ça, c'est grave utile. Allez, s'il te plaît, petit coffre, arme bleue. Aïe 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 aïe. Ici, peut-être. Oh non, non, j'ai cru qu'on avait une arme bleue, mais c'est tout simplement des bulles protectrices bleues. Bon, pas d'arme bleue pour le moment, mais ça ne va tarder. Oh là là là, la dinguerie, il y a un lama juste là-bas. Par contre, je vais pas me rapprocher du lama parce que sinon il va s'activer. Il faut absolument que j'arrive à trouver une arme histoire de... Oh, il y a un joueur qui est juste ici. Non, il va me voler mon lama, les gars. Oh là là, comment je vais faire? Il faut absolument que j'arrive à trouver une arme bleue, les gars. Non, mais c'est pas possible. Je vais carrément me faire voler mon lama. Mais je vais péter un câble. Allez, là, s'il te plaît, arme bleue. Allez, s'il te plaît, arme bleue. Non, mais c'est quoi cette malchance de fou, les gars? Je vais péter un câble. Le mec va être full build. Oh, j'ai trop le seum. Mais vous avez vu, les gars, dans chaque game, on tombe sur un lama. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre le code créateur Jean-Fils, les gars. Ça fonctionne à tous les coups. Ouh, par contre, j'entends ici un autre coffre. Aïe aïe aïe, et les gars, c'est pas possible, on a zéro luck. Je vais péter un câble, les gars. Au moins on a une clé et je sais qu'il y a moyen d'obtenir des armes juste ici en échange d'une clé. Ah, une arme bleue, merci l'arme bleue, ça fait plaisir. Et non, il n'y a pas de quoi avoir une arme bleue juste là. J'ai cru voir un ennemi juste ici. Ah, il a un sniper. Attends, il me semble que c'est la personne qui vient de tuer le lama, les gars. Eh, vous savez quoi, qui ne tente rien n'a rien. Donc je suis obligé d'aller essayer de l'éliminer. Le problème c'est que là j'ai pas énormément de construction. Lui, je sais qu'il en a énormément. On va tout faire péter comme ceci. Attention, est-ce que c'est possible? Non, recharge pas. Pourquoi ça recharge? Viens ici. Meurs. Oui, voilà, ça c'est fait. Et en plus de ça, ah, il avait deux snipers bleus. Il faisait le même challenge que moi ou c'est comment là? Let's go, on a du coup une arme bleue en plus. Et il y en a une autre juste ici, let's go. Un pistolet. Ok, on commence à avoir un stuff plutôt pas mal. Mais il me manque un petit fusil à pompe là. J'ai pas envie de galérer à trouver un fusil à pompe, donc s'il vous plaît Fortnite. Mais c'est pas incroyable, le gars est tombé sur le lama. Il l'a activé, il a pas réussi à le tuer. Parce que là, excusez-moi, mais j'ai pas de construction. Eh, vous savez quoi les gars, je craque. Je vais récupérer un fusil à pompe vert et je vais essayer de l'améliorer en couleur bleue. Je pense qu'on aura beaucoup plus de chance comme ça. Oh les gars, regardez, il y a un ennemi juste ici. Oh la rafale que je vais mise. Bon, il faut juste que je fasse attention à ne pas utiliser mon fusil à pompe parce que du coup il est pas bleu. Il ne faut absolument pas tricher, Jean-Fils, d'accord? Hop, il est en train de se mettre des petites potions. On va essayer de l'ennuyer. Oh nice, il est crack, ça c'est bon. Hop, on va essayer de rentrer à l'intérieur de sa construction. Il est ultra blanc, les gars. Ok. Oh là 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 là, ce kill de professionnel. Il avait pas d'arme bleue malheureusement, ça c'est bien dommage. Mais au moins les gars, ça fait un kill en plus, je ne dis pas non à ce genre de choses. Et attention les gars, le moment qu'on attend tous depuis le début de cette partie. Oui, voilà, un stuff full en bleu. Là, je suis apte à faire un massacre. Oh là là, regardez ce que nous avons juste ici. Un colis qui vient du ciel, on va l'activer. En plus, c'est un colis épique. Oh, il y a un mec. Qu'est-ce qu'il fait lui? T'es sérieux d'essayer de gratter mon stuff? Oh là là, il est ultra mal, il est ultra blanc les gars. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable de l'éliminer? Je pense que oui les gars, j'ai même pas eu le temps de parler que je l'ai déjà tué. Merci pour ton SMG bleu, ça, ça fait plaisir. Et en plus de ça, le stuff vient de tomber. Et normalement, let's go les gars, on a les bleuvages, aka le son le plus cheaté du jeu. Wesh, y'a un mec juste ici. Oh, ah bah il vient de se faire buter. Il s'est carrément fait calmer par le gars juste ici. Oh, c'est Miles Morales. Gwen versus Miles Morales. Qui va remporter la victoire, les gars? Ok, toi, s'il te plaît. Oh non, il est mort, frérot. Mais je me suis fait voler mon kill. Oh la honte. C'est ce gars-là juste ici qui m'a volé mon kill, les gars. Ok, touché. Mais ce n'est pas suffisant, les gars. Je ne fais pas assez de dégâts. Wow, 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 wow. Wow, la dinguerie que je viens de me manger. Oh, c'est pas possible ce genre de choses. Heureusement que du coup j'ai les bleuvages, les gars. Vous avez vu à quelle vitesse le mec il m'a rafale. Ok, nice, il est juste là. Oh, il s'est bloqué tout seul.
Oh t'inquiète moi mon gars, comment je vais me venger. Voilà, ça c'est une chose de fait. T'as fait beaucoup trop le malin avec Spider-Gwen. D'ailleurs la partie est passée extrêmement vite les gars. On est déjà dans le top 5 de cette partie. Dans la partie précédente là j'étais déjà mort. Au moins là le point positif les gars c'est que bah, je suis toujours en vie. Et on se rapproche de plus en plus du top 1. Est-ce que je vais réussir ce challenge là? Maintenant une chose est sûre, c'est qu'on sait que Spider-Gwen est plus forte que Miles Morales. Bah oui vous avez vu les gars, juste avant il est mort de dégâts de chute le pauvre. Oh juste ici il y a du stuff bleu et d'ailleurs une nerf point rouge. Oh là là, merci. Écoutez, là, je pense que j'ai le stuff adéquat à la situation. On est bien. Je suis dans la zone. Il reste deux personnes encore en vie. On est à ça de remporter la victoire. Oh, ils sont carrément en train de se fight et il vient de mourir là-bas. Du coup, on se retrouve en finale. Le mec, je sais qu'il est tout là-bas. Frérot, t'es dans la tempête. Tu vas mourir comme moi, là. Comme moi dans la game précédente. Ah, heureusement pour lui, il a réussi à gérer la situation. Où est-ce qu'il est? Il est juste là. Ah, mais le problème, c'est qu'il a les gants de Spider-Man. Frérot, il va beaucoup trop vite pour moi. Wesh! Ah d'accord, le mec, il a l'air de pas niaiser du tout, les gars. Ok, oh non, what? Je lui ai pas mis de... What? Mais what? D'où je lui ai pas mis de balle? Ok, il est juste là, c'est parti pour le bullfight du futur. Oh, le mec, il est beaucoup trop chaud! Je sais pas quel skin de Spider-Man il a, lui, mais en tout cas, c'est ce que je sais, c'est qu'il est extrêmement fort. J'ai réussi à lui caser une balle de fou, les gars. Bon, t'arrêtes là de bullfight, mon frérot! Allez, c'est parti. Ok, non! Ok, comment j'ai pu rater cette balle, les gars, dans l'état actuel des choses? Là, il est en train de se remettre les soins. Tu vas pas t'en aller comme ça, mon gars! Oh, j'ai mon cœur qui tremble à fond dans l'état actuel des choses. Ok, nice, il est dans la tempête. Ça, c'est une bonne chose pour moi, les gars. Ok, nice! Il est crack! J'ai plus énormément de construction, les gars. Donc, on va essayer de gérer la situation un maximum. Niveau vie, on n'est pas full non plus. Un problème que je pense rencontrer, les gars, c'est que si le gars, il a des bleuvages, je suis mort dans le game. Ok, le mec est juste là. Nice, j'ai réussi à le toucher. Ah, c'est pas suffisant, les gars, c'est pas suffisant. Allez, on est parti pour aller en zone. Cette finale me fait beaucoup trop stresser. Oh, les gars, regardez, il y a un petit feu de camp juste ici. On va essayer de le gratter un petit peu. En attendant, je vais tranquillement recharger mes armes. Oh là là, la pression est intense, les gars. D'ailleurs, si j'arrive à faire top 1 dans cette game, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, vous êtes tous obligés de vous abonner, d'accord, les gars? C'est le deal. Ok, il est juste ici. J'ai réussi à le mettre. Une petite balle. Ouh là 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 là. Ok, petite balle aussi, encore une fois. J'ai absolument plus du tout de soins. Et en plus de ça, je n'ai plus de construction. Aïe 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 aïe. Ok, il est juste là. Hop. Ok, nice, la balle qui passe crème. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour faire face à cette personne. Ouais, c'est suffisant. Spider-Gwen elle est là et elle remporte la couronne royale. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo juste là si tu n'es pas encore abonné à ma petite chaîne YouTube. Et pourquoi pas les amis, on se dit à la prochaine. Tchou, je parle beaucoup trop vite.